Yo l'ami, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer tout simplement les notifications. Et pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, t'as juste à cliquer tout simplement s'abonner, la petite cloche, la petite case, enregistrer. Et puis voilà, allez, je vous dis bon visionnage. Yo les amis, c'est Shiva, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 en mode LSPDFR. Et aujourd'hui, nous intégrons tout simplement la police nationale, les amis. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ce magnifique Scénic 3, voilà, un petit Renault Scénic 3 fait par Duke. Voilà, un membre de la Baro Team, comme d'habitude, les amis. Tout est dans la description pour le site GTA 5 mode et la Baro Team pour les textures, tout ça, pour les modes comme vous voulez. Tout est dans la description de la vidéo. Et voilà, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et un petit commentaire qui fait plaisir, les amis. Voilà, même si vous partez au bout de 2 ou 3 minutes, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour récompenser voilà, le travail qui est fait, le travail qui a été fait sur la vidéo, tout simplement. Le petit pouce bleu, c'est la récompense, et le petit commentaire si vous voulez, bien sûr. Et puis voilà, donc aujourd'hui, notre taf, ça va être de localiser des prisonniers. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont échappées de, voilà, qui sont échappées de la prison, tout simplement, hein, les amis. Ils se sont échappés, et donc, du coup, ils sont arrivés dans la ville, et on nous a signalé, comme vous pouvez le voir, la présence d'un détenu dans le secteur, là-bas. Donc, on va s'y rendre tout de suite. Voilà, j'espère que vous allez kiffer ce petit mode-là. On y va, donc, c'est bon, dispatch, on part sur les lieux. Hop, là, on va essayer de couper par là. On va mettre les gyros, voilà, hop. Voilà, ce magnifique véhicule est équipé de ELS, hein. Voilà, avec la sirène de police cette fois-ci, parce que voilà, je sais pas pourquoi avec le mode ELS, j'arrive pas à configurer les sirènes des pompiers, hein, comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo. En tout cas, merci pour les retours qu'il y a eu sur la dernière vidéo, les amis, au niveau des pompiers, mode, voilà, sapeurs-pompiers de Paris. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Et aussi, voilà, ce petit Scénic 3 fait par Duke, hein, franchement, il gère, franchement, elle est magnifique, le petit Scénic 3, il est magnifique. Et il l'a fait aussi en texture des pompiers, donc j'essaierai de faire une vidéo aussi sur le Scénic 3 du mode pompier. Alors attention, il doit être par là. Donc nous, on patrouille. Alors, on nous a signalé ici, désolé, j'ai un petit peu de mal. Ouais, tranquille, tranquille, la baisse, mais regarde, là, le mec... C'est un mec, ouais, il met il a décapoté son véhicule. Donc nous, on va se rendre par là, on va voir où il est. Pour faire gaffe, ils sont vraiment lourdement armés. Ben, ils sont lourdement armés. Ils peuvent avoir une arme avec eux. Alors, attention. Peut-être par là, on va voir. Non, c'est pas par là. Mais en tout cas, merci pour les retours. Désolé si je renifle un peu comme ça là. Ah, bah, c'est derrière moi. Je vais faire un demi-tour, Ah merde, je peux. Si c'est un sens unique, quoi. Je vais faire un demi-tour. Je renifle un peu parce que j'ai chopé un peu la crève, les amis. Il est là. Il est là. On va l'arrêter. Je vais demander du renfort. Ah, c'est bon, il a été repéré, il nous a vu. Shift Q. Allez, on y va, j'ai demandé du renfort. Allez, on va essayer de le choper là. Oh merde, qu'est-ce qu'il me fait? Allez, bouge pas. Voilà, au sol. Au sol, tu bouges pas. En plus, allez, j'ai une lampe en plus, c'est terrible. Donc, on va l'emmener. On va appeler des collègues. On va l'emmener directement avec nous. C'est bon, dispatch. J'ai eu le prisonnier. Un des prisonniers qui s'est échappé. Je vais l'emmener avec moi. Allez, je vais l'emmener avec moi. Monte dans le véhicule, s'il te plaît. Allez. Ils arrivent trop tard, les collègues là. Allez, monte dedans. Merci. Ok, on va presser 0. On va l'emmener directement, hein, les gars. Je vais enlever les sirènes. Alors, on l'emmène avec nous. Hop, en plus, comme c'est un prisonnier, hein, c'est faut le rendre vite fait en cellule. Alors, j'espère que voilà. Je vais mettre juste les sirènes. Voilà, comme ça, je vais l'emmener vite fait au commissariat. Oh, il y a une manifestation dans le coin en plus, c'est sérieux quoi. C'est où?
Ah, je l'en ai avec moi. Qu'est-ce qu'il fait le collègue là? Ok, il y a un collègue qui est bloqué, donc c'est celui que j'ai demandé, du coup, ben, on va le mettre là. Non, il veut pas. Si, si, alors. Voilà. On va demander à un mec de du pénitencier, donc de la prison, de venir le chercher. Voilà, il va venir le chercher. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est... hop, tu retournes en prison, toi, mon gars. Voilà, que je te reprends plus. Bon voilà, on a réussi à avoir un détenu les amis. Encore, il y a encore une manifestation, décidément. Ok. Donc on a réussi à avoir un détenu. Donc on se retrouve pour une prochaine intervention les amis. Dès qu'on a une... merde. Un indice, voilà, pour avoir un autre suspect. On va essayer d'en avoir un autre, on verra bien. Ok, allez, on se retrouve juste après pour une deuxième intervention. Voilà, tout de suite. Ok les amis, c'est parti. Donc du coup, on nous a encore signalé un détenu là dans le coin là où il y a la zone jaune. Donc on va s'y rendre. Et apparemment, il a, je sais pas, un driving. Donc il est dans un véhicule apparemment. On va s'y rendre. On va s'y rendre tout de suite les amis. Allez, on va mettre les sirènes. Alors, on va juste les gyros. Voilà, je vais faire juste comme ça pour histoire de passer plus vite. Voilà, pour qu'il s'arrête. Il est où? Ah, il est là, je l'ai vu, je l'ai vu. Je demande. Allez, arrêtez-vous. Voilà. Je vais demander un du renfort. Je vais demander un soutien local SWAT team. Ok, c'est bon. On va l'arrêter. Hop, tu restes là. Voilà, tac. On va faire comme ça. Allez, tu bouges pas, tu bouges pas. Ah bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. Je t'ai dit de pas bouger. Allez, au sol là. Allez, bah, il est déjà au sol. Allez, tu bouges pas là, tu bouges pas. Ici là, tu bouges pas. Allez, je t'emmène avec moi, fais pas le malin. Ah. Ok, j'ai le collègue qui est là-bas. Qui, ok, fait la circulation. Ok. Allez, tu viens avec moi. Allez, viens avec moi. Tu vas monter dans le véhicule. Alors, James, il s'appelle James. Ok, tu vas venir dedans. Allez, hop, tu montes dedans, tu discutes pas. Allez, monte dedans. Voilà. On va t'emmener chez les collègues. Oh merde, j'aurais dû prendre derrière. C'est pas grave. Non, je peux tourner encore. Je peux tourner, on va l'emmener. On va faire comme ça, tac. Oh punaise. Allez, on va mettre les gyros. Allez, poussez-vous là. On va l'emmener tout de suite. Et je crois qu'il en reste encore un. Il doit rester encore un détenu. Ils étaient trois à s'échapper. Et on va voir ça tout de suite là. Désolé si je souffle dans le micro, truc comme ça. Voilà, c'est franchement les gars. J'ai chopé la crève, surtout la gorge. Allez hop, poussez-vous. On va l'emmener au comico. On va tourner par là. Allez. Hop. Oh merde, je me suis trompé. Oh, c'est pas grave. Oh là, c'est PNJ. Je m'en fous, je peux reprendre là, ici. Voilà, c'est ici. Voilà, tac. Oh, désolé, 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 désolé. Voilà, tac. Hop, comme ça, on a le deuxième. Encore, il y a un troisième qui circule en ville. Alors, on va demander du mec de la prison de venir le chercher. Donc voilà, le deuxième détenu là que j'ai retrouvé aujourd'hui, là. Donc, il en reste encore un. On va essayer de le chercher, les amis. Voilà. Ok. Donc, on se retrouve pour... Oula, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il fait avec une arme, lui? Hop.
Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh là, c'est pas prévu ça, c'est pas prévu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait le bonhomme? Ça c'est pas prévu les gars. Ça c'est pas prévu. Allez, rends-toi au sol là, au sol. Au sol. Au sol. Et bah il est mort. Il est mort. Bah il fallait pas chercher les flics hein. Bon bah du coup c'est même pas ça que je vais faire, c'est je vais appeler directement les coroners. Non non, toi tu vas directement au cimetière. Voilà, on peut le voir, la police sécurise le secteur. Ok, c'est bon, les coroners arrivent. Oh putain, m'écrase pas toi. Ok, c'est bon les gars, c'est bon. Le suspect a été abattu par les collègues d'en face là-bas là. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez vu les motards aussi, il y aura une vidéo sur là-dessus aussi à faire. J'essaierai de mettre un coéquipier en squad grâce à Jugame qui m'avait filé en même temps ce mode là. Je vais essayer de le faire en motard. Ok. Bah ça c'était pas prévu. Voilà les coroners qui sont là, c'était pas prévu. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine intervention les amis, à tout de suite. Ok les amis, c'est reparti. Donc ça y est, on a trouvé le troisième suspect là. Donc on va se rendre sur les lieux. Hop là. Hop là. Qu'est-ce qui se passe là? Conspiracy commit murder. Je sais pas c'est quoi ça veut dire ça. Jaden dispatch fugitif. Ok, c'est Jaden. Ok, d'accord, ok. Donc on va aller chercher le dernier suspect là. Bah, le dernier suspect, le dernier prisonnier. Et puis voilà. Comme ça déjà on a réussi. Ah, il est là, il est là. T'as fait demi-tour, fait demi-tour. Allez, poussez-vous là. Oh là là, ces PNJ sont vraiment. Allez, on lui coupe la route. Eh, reste ici. Voilà, bah, il est tombé. Eh, tu bouges plus là. Comment t'as fait pour te sortir de prison, toi? Comment t'as fait pour sortir de prison, mec, en sachant que tu sais pas courir? Allez, hop, je t'embarque. Bon voilà, c'était le dernier les gars, c'était le dernier suspect qui rôdait dans la ville. Donc Jaden Shogun, c'est mon dispatch, j'ai le dernier prisonnier là, je l'emmène. Par contre, comment j'ai mis la voiture là, ça va être un peu tendu. Allez, monte dedans. J'espère qu'il a pas bugué. Non. Oh, il est handicapé ce prisonnier là quoi. Allez, monte dedans. Voilà. C'est bien, il ouvre la porte tout seul. Très très bien. Je te jure. Allez, on y va. Let's go. Let's go coco. Allez, on va l'emmener au poste là. Bon, ok, là, il a laissé la porte ouverte. C'est pas grave. Allez, on va le... Oh, il est à combien? Il est à 600 mètres le poste de police là. Ah, ok, c'est le truc ferroviaire. Ok, bah non, toi, je vais t'emmener là-bas. J'espère qu'il marche celui-là. Oh putain, j'ai fait taper un je sais pas quoi là. Ok, ok, c'est où ça se passe? Ouh là là, il y a de la vie ici, il y a de la vie. Alors c'est où qu'il faut aller? Ah, ok, d'accord, c'est par là. On va aller, on est directement chez les shérifs, chez le shérif. Shérif du comté. Avec une portière ouverte, là je sais pas ce qu'elle me fait la portière. Ok, on va l'emmener ici. C'est celle de le plus près qu'il peut avoir. J'espère qu'elle marche là. Ouais, nickel. Donc du coup, on va en... ok, bah... ok, je vais faire deux. Ok, bah directement, voilà, hop, tu prends le suspect. Voilà, c'est bon, c'était le dernier prisonnier. Donc, les trois prisonniers qu'on nous a signalés ont été arrêtés. Et puis voilà. Ok, donc nous, les gars... Encore une intervention finie. Donc on a réussi à avoir, c'est le job aujourd'hui, c'était justement de récupérer les trois prisonniers, voilà, qui sont échappés du pénitencier, donc de la prison de Los Santos. Donc du coup on a réussi et on se retrouve pour une prochaine intervention et une dernière intervention, voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite. Ok les amis, donc on nous a signalé un kidnapping, donc on va s'y rendre tout de suite, hein. Allez, on y va.
Donc c'est pas très loin d'ici. On va être pas très loin. C'est vite dit. Alors je vais voir juste ma minimap. Ouh là là là, j'aurais dû faire demi-tour. Oh, je vais peut-être reprendre à droite là. Je vais reprendre par là-haut. On nous a prévenu un kidnapping, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais prendre la première à droite là-haut. Voilà, le petit scénic est bien rapide, donc il y a moyen de se rendre sur les lieux aussi vite qu'une BM. Enfin, peut-être pas aussi vite qu'une BM, mais... Oulala, allez hop, on va se rendre là-bas. Je vais tourner à droite là. Ok. Ah, j'espère que... Ah bah ça, j'ai cassé le véhicule. J'ai cassé le véhicule. Non, non. Allez. Comme ça. Non, tu veux pas. Allez. Vous savez quoi, je vais chercher un autre véhicule. Je vais faire comme ça, tac. Parce que là. Hop. Je vais éteindre le véhicule par contre. Putain, c'est. Allez, allez, allez. Je vais éteindre le véhicule. Parce que là. Voilà. Tac. Allez, sors d'ici. Ah, j'ai mis mon véhicule à travers. Putain, les boules. Putain, et j'étais en train de rattraper l'autre. Allez, on y va là. On va chercher une personne qui s'est fait kidnapper. Kidnapper. Ouais, kidnapper. Putain, il y a des fois j'ai du mal à parler français moi. Je me demande si je suis français des fois. Allez hop, on circule. Juste regarder. Je suis loin quoi. Faut que je prenne à gauche. Faut que je prenne le chemin en terre là. Ah, ça va être chaud. C'est pas un véhicule adapté pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas adapté pour ça. J'espère que je vais réussir. Je vais prendre par là. Ah, le véhicule est pas adapté. Oh là là, mais je peux pas aller plus loin là. Je peux pas aller plus loin. Vous savez quoi, je vais essayer de couper. Ouais, je vais couper. Je crois que c'est le camion qui est là-bas. Je vais enlever ici. Oh là, je l'ai directement en vue. Je l'ai en vue. Oh là là, et ça, c'est pas de l'infiltration, mon gars. Voilà. Regarde-moi ça, sur un petit raccourci magnifique. Alors là, c'est un kidnapping, donc ils sont faits... Oula, on va essayer d'appeler un hélico. J'ai appelé un hélico. Allez, on va l'arrêter, on va pas poursuivre. Allez hop, arrête-toi. Là, arrête-toi. Oh, attends, je vais faire E. Merde, c'est pas ça. Il va où là? Il va où? Tu vas où? Il va où là? Il va où le pépère? Tu vas où, Coco? Allez, tu me suis. Tu restes là, tu bouges plus. Allez. Allez, arrête-toi. Voilà. Il a bugué le truc, il a bugué. Voilà, comme ça, hop. Je vais le faire sortir directement du véhicule. Ah, c'est pas... j'ai du mal à...
Je vais emmener hop. Voilà, un truc comme ça. Trafic stop. Ah, j'ai un collègue qui va arriver. Si ça, s'il veut bien marcher. Là, je peux plus prendre une arme, quoi que ce soit. Le truc a bugué de tête. Je vais ressortir. Ah, voilà. C'est un bug de jeu. Ah, j'ai du mal avec les armes. Hein, sur. Bon, vas-y. Je peux même plus viser avec le truc. Le jeu a bugué. Ah, voilà. Je peux viser que dans mon véhicule. Je peux plus viser, là. Allez, tu bouges pas. Tu bouges pas. Allez, tu bouges pas, toi. What? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Putain, c'est qui s'est fait kidnapper? C'est toi ou c'est lui? C'est elle ou c'est lui? Allez, tu bouges pas. Je l'ai tué. T'es sérieux? Vas-y, je vais appeler le MS. Hein. Putain, t'es sérieux? Je les ai tués tous les deux. Ah, la fausse blague. Le trafic stop, follow me stop. Ok, bah du coup non, c'est pas ça que je veux. Hein. On va appeler les pompiers. Hein. On va appeler les pompiers. Ah bah tiens, ils vont spawn directement là. Bah c'était un kidnapping. Du coup ça s'est arrêté. Ah ouais, elle. Ah non, elle est pas morte. Elle. Ah, je vais l'arrêter. Ah, tu restes là. Bon, il est comment lui? Ah. Alors c'est qui s'est fait kidnapper là-dedans là? Dans l'histoire. Oh, je les ai emmenés tous les deux au poste. Voilà. Allez, tu restes là. Tu m'as tapé. T'as tapé un agent de police. Tu vas rester là mon gars. Je vous embarque tous les deux. On nous a signalé comme quoi que il y a eu un kidnapping. Alors, est-ce que c'est pas les deux suspects? Ok, je vais demander. Je vais demander deux. Mets-toi debout, toi. Voilà, tu restes debout. Voilà, et je vais appeler un multi. Multitransport. Multitransport. Voilà, multitransport, ils vont venir les chercher. Ils sont bloqués là-bas, ces crétins. Alors, je sais pas ce qui se passe avec ce mode-là. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça bug encore. Voilà, pour qu'ils viennent chercher les gars, tout ça, ça bug encore. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui va pas dans mon call-out ou je sais pas. Ou dans mon plugin. Je sais pas c'est quoi qui fait bugger. Parce que, voilà, à chaque fois, je suis obligé d'attendre qu'ils mettent le 8 là-haut. Qu'ils viennent les chercher de force. Et encore, voilà, ils viennent les chercher de force. Ils sont où? Il y a encore. C'est pas, ah ouais, j'ai pas encore changé le véhicule de la gendarmerie. Donc, ils viennent chercher les deux. Ils sont à deux. Alors, je comprends pourquoi ils sont à deux. Donc ils ont été signalés comme quoi qu'il y avait un kidnapping. Donc voilà, je sais pas s'il y a l'autre, la personne qui conduisait c'était la femme. Et tout simplement le mec il m'a sauté dessus, il m'a agressé. Donc il m'a tapé dessus, donc on l'embarque aussi. Ok. Bon allez, moi je rentre, je vais faire une fouille dans le véhicule là. Vu comment ils sont posés aussi, donc je vais fouiller, on va voir. Gibbs Albin Law, ok. Ah, vous commencez à connaître un peu le mode LSPDFR, les gars, avec tous ces bugs, tout ça. Non, pas le mien. Ah, voilà. Ok, on va juste. Est-ce que je peux le déplacer? Vous voyez? Voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Voilà, tac. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, voilà, ils veulent plus partir après les gens. Voilà, à chaque fois quand j'appelle des gens, ça me fait ça. Voilà, je vais aller voir,
Je vais vous faire voir directement. Putain, j'ai du mal. Hein. J'ai la crève en même temps, je suis malade. Voilà, vous voyez, là ils avancent plus. Voilà, ils avancent plus. Et je sais pas pourquoi. Au début, ça marchait bien. Et là, ça marche plus. Je sais pas pourquoi. Donc, ceux qui ont la solution, ceux qui ont gardé jusqu'ici, ça peut être bien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Ça m'aiderait un petit peu. Allez, hop, on va voir derrière le camion. Il y a quoi? Je peux pas regarder dans le camion là? Non. Non, il n'y a pas. Bon, bah, du coup, je vais appeler une dépanneuse. Tac. Le burrito. Ouais, c'est ça, c'est le burrito. Allez, hop, le burrito il va se faire embarquer. Il y a la dépanneuse qui est là. Ça, par contre, depuis que j'ai installé le dernier. C'est Police Smart. Avec le bouton dépanneur, tout ça. C'est, j'ai les nouvelles dépanneuses. C'est avant, c'était vraiment la dépanneuse de Tonya. Pour ceux qui savent qu'ils ont fait le mode histoire. Donc, du coup, ben, c'était les dépanneuses de Tonya. Et là, c'est franchement, ils sont pas mal les véhicules là. Pourquoi j'ai deux personnes là-bas? Ah, c'est les travailleurs. Ok, bon là vous avez vu, ils sont encore bloqués là-bas, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas voilà, ça va être la fin de la vidéo les amis. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, le petit commentaire, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous dis bonne journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.